Yo, c'est Maïaxis, j'espère que ça part, on se retrouve en compagnie d'Exeunia. Hey, coucou! J'ai reçu une tentative d'assassinat venant d'une araignée, j'essaye de retrouver mon chemin à travers la jungle. Maïaxis, aide-moi! Mais pourquoi tu laisses la porte ouverte? Ah, j'ai pas eu le temps de la fermer. Ah, voilà la maison. Bon, alors, Maïaxis, j'ai trouvé une de ces cavernes! Mais alors, je te raconte pas, j'ai jamais vu ça de toute ma vie minecraftienne. À part dans des maps artificielles, mais là, générer aléatoirement une de ces failles. Attends, je vais montrer ça à ceux qui me regardent. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Une caverne pareille. Une immense faille bien profonde. Avec une grosse cavité ici. Tout simplement magnifique. Et c'est là où je suis mort. Et du coup, il va falloir faire une mission sauvetage pour l'équipement. Alexis, envoie-moi ce... Je vois que tu as eu des altercations avec les creeps, avec la populace indigène locale. Je vais juste baisser mes effets sonores parce que la pluie, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à écouter. Voilà. Tiens, j'ai un bout de terre. Je vais essayer d'y aller. Oh, wow, wow. Je suis tombé et je vais mourir encore une fois parce qu'il y a un squelette. Maïaxis, viens m'aider. Viens m'aider. J'arrive, viens voir. Je fais un chemin. Viens. Je m'enfonce dans les souterrains. Là, il y a de la lave. Là, viens, j'ai fait un chemin. Non. Putain. Non. Les amis, je suis mort et... Je suis mort aussi. On est tous morts dans l'atroce souffrance. Bon, c'est pas grave, j'avais une hache en fer, j'avais du bois. Mais c'est pas grave, on va... J'avais trop d'items. Et ça pleut, c'est un... Dégage le creeper. Infamie. Bon, alors suis-moi, je sais où est la maison. Enfin, je sais là où nous sommes morts. Parce que j'ai réussi minimum à m'installer. Ah, la maison, carrément. Bon. C'est par ici. Par là, mes amis. Tuc, tac. Je me rappelle le chrono. Donc il va falloir aller exploiter cette mine, je pense. Et continuer la mine artificielle que nous avons commencé aussi. Moi, je me fais agresser par des zombies. La merde habituelle, quoi. Ah, voilà, quoi. J'ai une sainte horreur d'emprunter cette jungle à la tombée de la nuit. Ah, parce que t'es dans la jungle aussi? Attends, tu vas me faire peur si je te vois. Mais t'es où? Bah, je sais pas, je suis dans la jungle aussi. T'es où que je te fasse peur? On voit rien avec cette foutue pluie. Ça perturbe mes sens d'orientation. C'est inconvénient. J'ai retrouvé la maison. Ah bon? Tant mieux pour ça. Je vais piquer un plongeon dans la piscine. Yahoo! Plouf. Avec la carte, c'est relativement facile. Ah, parce que toi, t'as activé la carte, petit tricheur. Moi, je vois juste les points de mort. J'ai désactivé la carte. Je me fais agresser par un squelette. Ah, mais c'est une bonne idée, ça, tiens. Je vais écouler un bout d'eau. Là, voilà. Haha. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller chercher notre équipement. Enfin, sauf moi, parce que je suis tombé dans la lave, mais... Toi, t'es mort où en fait? Je vais te montrer. Est-ce que t'as un seau d'eau et tout? Non, mais il y a un ascenseur. Ah, c'est là où je suis mort. Oui, bah, c'est ici. Je doute qu'il y ait quelques items qui aient survécu, mais on peut toujours voir. On peut toujours regarder. Petit bug. La pioche en fer a survécu. Ah! Il m'attendait! Les amis, j'en ai marre! Dans la lave! T'es mort où? Dis-moi où tu es mort. Oh, il y a de l'or! J'en ai marre, j'arrête pas de mourir. Il faut persévérer, tu trouveras! Bon, je vais essayer de retrouver ton équipement, puis je vais te l'apporter.
En attendant, reste à la maison et prépare un accueil digne de ce nom à mes poursuivants. Putain, j'ai trouvé une pelle. Une pelle en fer. Ça doit être tout à moi, en fait. J'ai trouvé une hache en fer, j'ai trouvé une épée qui peut m'être relativement utile contre ce creeper. C'est à moi, c'est tout à moi, c'est tout à moi. Une pioche en fer. J'ai sauvé pas mal de matos et... Ah ! Une mare de lave est en train de se former, voilà. Oh, du steak. Tiens, j'ai récupéré pas mal de machins assez intéressants. Il y a du bois, ça doit être. Oui, oui, à oui, moi, j'ai tout récupéré. Tout... Ne t'inquiète pas, mon ami. Tout a été sauvé. Je vais récupérer un peu de blé, un peu de d'or. On ira peut-être dormir après parce que j'ai envie de respawn dans le lit. Ne t'inquiète pas, je répare juste une épée histoire de pas crever une fois de plus. Moi j'arrête pas de crever à chaque fois que je descends. Donc les amis, cette vidéo est très intéressante, vous me voyez faire à chaque fois le chemin. C'est superbe. Superbement intéressant. Très intéressant. Je récupère un peu d'or. Un peu d'or. Nous pourrons corrompre des magistrats. Entre autres. Bon, je vais emprunter l'escalier. Enfin, l'ascenseur aquatique. N'empêche, c'est la première fois que je vois une faille aussi... aussi grande, aussi faite comme ça dans une map générée aléatoirement. Ça, t'en as déjà vu une comme ça? Putain. Bah oui. Non, 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 non. Oh, putain. Putain, 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 putain. Ils vont me tuer? Non. Tu me tues? Oh. Non, mais là, c'est pas possible. Mon stuff. T'inquiète pas, ton stuff est sauvé. À part s'il atterrit dans... Enfin, logiquement... le stuff a été retenu par l'eau. Je suis mort dans une espèce de petite colonne d'air au milieu de l'ascenseur d'eau. Hop. Bon bah mesdames et messieurs, ce sera l'épisode mort d'Exomnia et Bayaxis, maintes fois. La mort guide nos pas dans cet épisode. Je me couche. Oui, reste à l'intérieur, femme. Laisse les hommes s'en charger. Non, mais là, je me couche. Je vais envoyer plusieurs de mes clones avant d'y aller, être sûr que je vais y en réchapper en vie. Non, il a tout fait sauter. C'est une blague. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non, mais on sait jamais. Et vu que tu n'es jamais là pour soigner la maison. Jamais là. Je suis mort en essayant de sauver ton stuff. Et voilà. Putain, c'est parti, les amis, nous allons nous engueuler. Mais elle est encore là, la maison, qu'est-ce que t'as raconté? Je sais qu'il y a quelques suceurs de moelle sur mon chemin, mais ce n'est pas vraiment un problème. Et voilà, qui c'est qui répare la maison? C'est Billy. Ah oui, en effet, toute la façade avant a été explosée. Bon, ça va. Qui m'attendait devant la porte. Je vais juste prendre. Fais gaffe aux zombies. Donnez-moi une épée. Donnez-moi une arme. Une arme. En fait, j'ai besoin d'une épée, Bayaxis. Désolé, je défonce le mur pour pouvoir rentrer. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Je vais me faire une épée en fer. Ah, je vais mourir! Putain, mais... C'est pas possible. Moi, je respawn à l'intérieur. Comme ça, tu vas encore mourir. Essaye de nous faire des épées en fer. Mais je peux pas, il y a plein de zombies à l'intérieur. Mesdames et messieurs, nous subissons une attaque de grande envergure. Les monstres attaquent notre demeure, ils nous ont retrouvés! Tu vois, le fait de fuir n'a pas suffi. Ils nous ont poursuivis, et maintenant, ils veulent notre mort à tout prix! Nous allons tous périr, c'est une catastrophe! Bon, où en est l'état de la situation sur le champ de bataille, colonel Bayaxis? Le combat est très dur et long. Long. Laisse-moi deviner, t'es en train de tabasser un zombie à main nue. Oui. Tu m'étonnes. Long et périlleux. J'ai enfin réussi à faire une porte et là il y a un creeper qui repasse, mais je gueule les amis. Et là. Moi j'essaye tant bien que mal de me frayer un chemin dans cette jungle chaotique. On la ferait cramer, ce serait tellement plus facile. Faudrait deux lits histoire que je réapparaisse un peu dans la maison. Mais dans la maison il y a deux lits. Je sais pas si t'as remarqué. Ah, j'ai peut-être pas encore dormi dedans. Ouais, je te propose qu'on dorme histoire de voilà quoi. De passer, oui, j'ai compris. Oh, du poulet. C'est mon lit celui-là. Du poulet grillé. T'as fait une épée? Allez viens. Je veux une épée. Je
faudra aussi aller récupérer notre stuff. Notre équipement qui est resté dans cette caverne glaciale. J'arrive. J'aime bien ce système, on est assez éloignés l'un de l'autre avec une muraille entre nous. Ah. Bah oui, en fait j'avais peur de toi. Je vais m'avaler un poulet entier. Parce que j'ai faim. Burp. Bon, on va aller récupérer cet équipement, oui ou bien. J'ai une furieuse envie de récupérer cet équipement. Le mien déjà, ce serait déjà pas mal. Bah, le mien et le tien sont confondus. On a deux pioches en fer, plus de l'équipement très important. Voilà, j'en ai récupéré un petit peu. On va récupérer encore. Oh, putain, encore ces squelettes. C'est une conspiration. Une conspiration squelettique contre notre personne. Je vais encore mourir, mesdames et messieurs. Tiens, serre-moi de bouclier humain. Je fuis tel un lâche. On est en vie. Il y a un squelette là-bas. Il nous faut ériger une barricade. Attends. Il est là, il est juste au-dessus, il est juste au-dessus de toi. Merde, tu t'es tapé toi. Oh, mais j'avais tout le stuff. Et t'es tombé dans la lave. C'est génial, les amis. C'est génial, en effet. C'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument superbe. Absolument. Oh non, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, Bayaxis? Pourquoi? Oui, j'ai rien laissé, hein, absolument rien. Même pas une petite pioche en fer. Hein. Rien. Absolument rien. Ouais, il va falloir tout récupérer de nos mains. J'ai lâché une épée en fer, va la chercher. Je suis pas ton chien, elle est où? Bah, si tu l'avais... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? T'es où? Tu fais quoi? Il y a des zombies au-dessus. Ils t'attendent. Ah, je vois. Eh bien, s'ils m'attendent, je ne vais pas les décevoir. En effet, j'entends des zombies. Et moi, je me suis fait taper, hein. Et c'est pas une blague. Je remonte une cascade à main nue et j'arrive. Qu'est-ce que je fais, moi? Hop. Oh, ce sera l'épisode fail de la souffrance de notre part. Et moi je l'ai vu, le zombie. On a perdu beaucoup d'équipement. Mais où est-ce que t'es? Un loup, je ne m'approche pas d'eux depuis le petit incident de l'autre fois. Ouais, cette caverne est magnifique, mais incroyablement dangereuse et mauvaise et maléfique. Je vais lui porter une croisade. Je vais la faire sauter à la TNT. Si j'en ai les moyens. C'est ce que je voulais faire aussi. Je vais juste désactiver... Tac. Voilà. Juste quelques options race minimap à régler. Bon alors, déjà t'es où? Où es-tu? T'es où? Monsieur Bayaxis est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Monsieur Bayaxis, merci. Ici, je suis là. T'es où? Je te vois pas. Non, tu me vois pas. Mais où est-ce que t'es? À la maison. À la maison. Là, tu es dans la maison. Bah oui. Je vois une putain. Attends. Peut-être un problème, j'ai des cours écho. Il a dû me voir, il a dû voir une torche. Oui, j'ai vu une torche qui est apparue, comme par magie. Bon, c'est peut-être un problème avec toi, essaye de disparaître et apparaître. Attends, si, je te vois. Oui, je te vois. C'est moi qui ai un problème. Bon, on a perdu du stuff précieux. Mais essayons de passer sur ce léger détail sans importance. Et, quelle est la prochaine étape à l'opération, mon ami? T'as une flèche dans la tête. Déjà une pioche en fer. Du fer, on en a là. Fais-toi une pioche en fer et je te monte la grotte. Je vais me faire quelques épées en pierre aussi. Bon. Je te montre où est la grotte.
Oui, une simple grotte, pas celle-là. On a pas encore le niveau pour ce donjon. Vaut mieux Non, revenir plus mais tard. une autre grotte. Autre grotte, t'inquiète pas. Tu me Avec du rassures. fer Oui, direct à la première disposition. étape, explorer une grotte pour aller récolter du fer et quelques matériaux intéressants. Avant de s'attaquer au donjon. Mais tu vas dans le donjon final! Non, il est là, il est là. Ah, une aile annexe, je vois. Il est là. Ne restons pas plus longtemps ici, allons par là. Donc voilà, ça commence par ici. J'ai oublié les torches, mais ce n'est pas grave. Si j'en T'as ai, du bois? t'inquiète pas. Et des torches. T'as des torches à gogo? Attends, je t'en donne un. Comme ça, tu peux t'éclairer. Oh, merci. Ah, mais non. Oui, parce que les amis, nous avons installé le mode Dynamic Light, qui permet, lorsqu'on tient une torche, d'éclairer comme si la torche était posée au sol. Ce qui est pratique. Du fer, j'ai du fer. Je vois que tu as quelques altercations avec des zombies. Ouais, à mon avis, il doit y avoir un mode. Enfin, je sais pas. Ça se C'est un de pourrait. leurs repères. Nous serons les délogés. Oui, mais si c'est un trou. C'est un cul-de-sac. C'est un peu plus Bon, inconvenant. place des torches histoire qu'il ne de reprendre cette base, ce repère des mains de notre Je ennemi. sais où. Où il y a un endroit, un autre endroit. On va nettoyer les salles de ce donjon pièce par pièce jusqu'à ce que nous les déterrions tous. Suis-moi. Et une fois que nous l'aurons fait, nous pourrons nous attaquer à la salle principale. Bon, C'est une tu peux me bonne suivre? stratégie, mon ami. Mais t'aurais pas du bois, histoire que je me fasse quelque peu la blinde de torche. J'en Mais aurais viens bien besoin. voir, regarde. Tu montes où je suis, en haut. On a encore une. Je l'avais Tata repérée, tata celle-là. tata tata attends 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 attends. Regarde au-dessus. Ah, je vois. Une salle secrète. Attends, je vais aller faire des torches. Très important. Et de la nourriture aussi. Si on part dans les cavernes en exploration, il faut de la nourriture. Creepy! Bon, alors, comme il n'y a plus de. C'est une jolie explosion. Bravo. Oui, je confirme, jolie explosion. Bon, comme il n'y a plus de pluie, j'ai l'impression d'être un sourd là. Je vais augmenter un peu les effets sonores. La musique, on va la laisser à 5%. Ah, alors cette grotte est magnifique. Par contre, il y a du level là. Ah oui, je crois que nous sommes tombés sur un donjon niveau 40. Non, là Je vais. c'est le niveau 20 là, à mon avis. Niveau 20. 40, c'est plus que 20. Je vais faire beaucoup de Non, torches. mais Qu'en là, dis-tu? le niveau 40 c'est en dessous. Le niveau 20 c'est. Ah non, mais je parle pas de ça, moi je parle des niveaux. Les niveaux comme Monsieur Roux. Ah! Peux-tu venir m'aider alors? J'ai deux stacks de torches. Et bah il est où le poulet? Oui mais alors j'ai perdu le poulet. T'as de la nourriture sur toi? Ouais, j'en ai qu'un. Je crains qu'il ne faille se repaître de zombies, malheureusement. Oui, bah viens à Quelle l'endroit où je t'ai horreur! dit. J'arrive, j'arrive. Et vite! Vais sûrement mourir dans d'atroces Donc toi tu es souffrances. dans Dans l'aile l'endroit que je t'ai secrète. montré. Et il y a encore un creeper! Monte! Comment t'es allé par ici? Ah t'as fait un petit On fait un passage, chemin. je vois. Creepy! Fort intéressant. Hop Laisse-le là. monter, hein. Pense pas dans le tas. Tac. Tant qu'on a D'ailleurs, il y des a torches, beaucoup je de vais en profiter. monde. Ah oui en effet, il y a eu un creepy qui a explosé par ici. Yay! J'arrive, n'y va pas seul. On fait attention au tout doux. Fais attention au tout doux. Je vais mettre en place le mécanisme pour le tuer. Allez, viens là, créature du démon! Laisse-le venir! Il est où? Il est là. Allez, viens là! Extrait toutes les ressources possibles en attendant. J'entends des zombies. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi j'entends une araignée. Vrai que cette salle est pas mal grande. Ah oui! Ouh, Torchisons la zone. quoique une armée de d'araignées. Ah non, non! Les araignées sont moins dangereuses depuis la 1.5, je trouve. Avant, elles étaient plus vives. Oh, il y a du fer là, pas mal de fer.
Bon, tu feras gaffe au tout doux parce que je l'ai tapé, il doit être encore agressif. Il y a encore un chemin qui monte. Il y en a qui descend. Et celui qui descend, ça Ah! sert à rien. Putain, Ah si. l'enfoiré! J'aurais pas dû le chercher en fait. Nous n'avons pas le niveau requis, et surtout l'équipement requis, pour affronter les tout-doux. La Bah si, moi, puissance vu des qu'il m'a rien tout-doux. fait, il va pas m'attaquer. Là, je crois que. Oui. Oui, c'est juste le joueur qui l'a énervé, qui tue. Je pense. Le tout doux est gentil, hein. Gentil quand il veut. Il va quand même te piquer tes. Te piquer des bouts de maison, t'as oublié du fer là. Chauve-souris! Bah vas-y, récupère mon stuff, je te dirai rien. J'ai rien repris, hein. Possible. Où est mon épée? Il m'a volé mon épée! Mon épée! Tant putain, encore un squelette. Excusez l'expression. Ti ti ti! Nyan! Non, Nyan! ton épée, elle est juste là. Nyan! Nyan! Ah bon. Et voilà, c'est lui qui récupère la gloire de l'avoir tué. Et... En fait, il est au-dessus. Bah, faut bien tuer. J'ai tué Excuse-moi, faut l'Underman, que je les regaine. amis. Il est juste là! Même pas le temps de boire un coup. Ok. Je le retiens, je regaine. Toi, bah, fais tes occupations. Ah, il a une épée, génial! C'est bien ça. Donner une épée Donc les à amis, cette grotte est extrêmement grande. Donner une épée à un squelette, c'est comme le tuer. Héhé. Y a un Combien de chemin temps de supplémentaire vidéo, par ici. Exomnia? Ce donjon est immense. Bon, alors, t'es parti dans quel sens, toi? C'est un vrai Je labyrinthe. sais pas, je cherche. Yeah! Une chauve-souris à mort! À mort! Elle est morte! Voilà. Dans un coin où il y a du gravier qui empêche Oh, le un chemin. arc! Oh! Tu me crois si je te dis qu'un squelette a looté un arc en parfait état? Ou alors Bah c'était mon oui, de ancien toute arc? façon, on Je me peut. rappelle pas si j'ai. Non, j'avais pas d'arc sur moi! Un mode spawner! Non, j'avais pas d'arc sur moi, c'est lui qui l'a looté en parfait état. Un mode spawner! Un De quoi? squelette! Oh, génial! On va pouvoir le farmer! On va pouvoir farmer des flèches, excellent. Tiens, pose des torches. Non! Attends, je te sauve! Tiens, prenez ça! Ah, bande d'enflure, bande d'enfoiré! Voilà. C'est bon, t'es mort ou pas? T'es pas mort. Non, je suis pas mort. T'es pas mort. Oh, pas Un mal. disque! Oh. Un livre d'enchantement recul, un seau. T'as eu quoi, toi? Du pain, de la nourriture. Ah, je vois. Bon, j'ai eu un disque et un livre d'enchantement. C'est pas mal. Ah, c'est de là qu'ils sortaient alors. Un réceptacle accueillant leur puissance. Explorons par ici. Ah, et ça ramène ici. C'était un bon donjon, hein, un donjon à la Skyrim. On fait tout le tour pour revenir à la salle finale. Pour enfin revenir à l'entrée. Ça me fait vachement penser à un donjon de Skyrim. Ah! Ouais, mais non, c'est pas fini, regarde. Waouh! Eh, viens voir par là. Ah, mais c'est de l'autre côté! On est de l'autre côté! Eh, Baxis! Baxis! Eh, Baxis! Eh! Mais regarde. Eh, viens là, gentil chien! Attends, encore ces Viens voir. chauves-souris! Mais meurs! 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 Viens voir. Attends, elle m'échappe! Elle me nargue! Il y a encore. Il y a une salle là. Viens Oui, là, mais viens! viens voir. Non, viens là! Mais viens! Et je sais, j'ai Mais vu, il y a viens-le! le machin. Regarde! Ici, on est de l'autre côté du machin. Et donc là, c'est la grosse salle. Et là, c'est notre cascade d'eau. Oh merde. Alors ça, c'était vraiment un coup de pute, si j'ai envie de dire. Excuse-moi, Exomnia, t'as le droit de me tuer. Je vais pas te tuer parce que je suis pas comme toi, mais c'était vraiment un coup de pute. Sauf que je Putain, l'ai pas là. fait exprès. T'as pas fait exprès. Je suis sûr, je regarde ta Pour une vision, fois? t'auras fait exprès. Oui, j'ai fait exprès. Connard là. Parce qu'on va pas être méchant. Mais là, c'était trop tentant, les amis. Très trop tentant.
On est dans un donjon. On est censé s'entraider pour survivre et l'autre il me balance du stuff à travers les fenêtres. Les amis, il y a une putain de grotte. À la première occasion, je te jure. Mais j'avais un saut et tout, tu fais chier. Mais t'as juste à descendre la cascade. Juste à descendre la cascade, t'es marrant toi. Y'a pas de cascade. Et si, la cascade, tu redescends juste le stuff, c'est tout. Mais il n'y a pas de cascade. Je vais mais devoir si, me faire la un. Cascade pour descendre. Mais il se rappelle plus. Oh les amis, j'ai trouvé un chemin pour descendre à la grotte. Je vais voir, je vais essayer un truc. Je vais amortir un peu ma chute. Ouais, en fait, je vais juste faire ça. Je vais amortir ma chute. Y a du monde en bas. Non, y a personne. Bah pour l'instant, je sais pas. Oh, je te parle pas, toi. Putain. Ouais, mon stuff. Les amis m'en veulent. Ouais, je t'en veux. L'autre, il me balance, il me balance du haut d'un rebord. Alors. Ah non, ils sont où? Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je perds de la santé? Je perdais de la santé. Mais putain, un zombie? Un zombie invisible? Je me suis fait tuer par un zombie invisible. Mais Axis, au secours. Oh, mon dieu. Ah ça, c'est... t'aurais pas fait cette connerie aussi. J'aurais pas fait cette connerie. Quelle connerie, c'est toi qui m'as balancé, connard. Non, c'est pas possible. Ce donjon est trop haut niveau pour nous. Non, moi je gère. Tu gères? Parce que t'as balancé ton ami par le rebord, peut-être? Ah, en effet, il y avait un zombie. Mais il est invisible. Et voilà, je vais encore crever comme une vieille merde. Salut les gars! M'approche pas! M'approchez pas! Est-ce que tu vas récupérer ton stuff, arrivé? Putain, puis en plus, il y a un Underman. Alors là, toute la populace m'en veut. Tout le monde, sans exception. Attends, je descends. Là, il n'y a pas le choix, il me faut une épée. Du bois, plus de bois, toujours plus de bois. Oh, mon dieu. Si je viens t'aider à récupérer ton stuff, tu me dis merci ou... Bah non, ce sera que légitime chose. T'es l'autre, hein. Oups. Alors, comment faire pour descendre? Ah d'accord, il est là ton... Ah mais c'est toi un zombie qui l'a récupéré. Bah on va le tuer. On va lui poutrer sa tête pour le récupérer. Oula, c'est un peu dangereux par contre. On y va le chemin. Ouais, faudrait trouver... Il y a peut-être un tunnel qui y mène. C'est bon, je suis en train de faire un chemin en creusant. Y a pas de tunnel qui y mène, j'imagine. Viens voir. Leur architecture a été toute pensée rien que pour nous faire chier. Mais viens voir, j'ai fait un chemin. Mais deux secondes. Oh. J'arrive. Ce qui est chiant avec Race Minimap, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, et donc dans cet épisode on meurt beaucoup, on est obligé à chaque fois d'enlever les machins. Remove the... voilà. Reviens à la grotte où on était. Oui, j'arrive. Et j'ai fait un chemin. Bon. T'es où? Tu mines là. S'il te plaît. T'es où? S'il te plaît. Je suis là. Ah mais ici. T'es dedans? Oui, je suis là. Ah d'accord. Fais gaffe, fais gaffe. Écarte-toi, je le tape. Écarte-toi, remonte. Mais je te vois pas. Ah bah t'as le même problème que moi, bah déco reco. Putain, un squelette. C'est bon, je l'ai fait tomber. Bon, va les occuper pendant que moi je récupère le stuff. Tiens, il y en a deux. Tiens, j'en ai tué un. J'ai tué un autre zombie. Bah en fait, je le vois pas, c'est ça le problème. Oh, une carotte. Oh, génial. Oh, un Enderman. Bon, alors, ce donjon est extrêmement dangereux, on meurt beaucoup, mais on récupère de nombreux trésors. Bah, attends, j'éclaire. T'as récupéré tout. J'ai récupéré le livre, j'ai récupéré le CD, j'ai récupéré tout ce qu'il faut. J'ai récupéré l'arc en excellent état qui a looté un squelette par chance. J'ai ma pioche en fer. Est-ce qu'il y a du stuff qui est tombé dans la lave? J'espère pas. Ah! Un autre zombie! Ils essayent de reprendre leur bien! Mais. Nous ne... Oh, j'ai failli attaquer l'Enderman! Et il m'attaque! Et non, et non, et non, et non, et non, non, non! Oh non, mais non! Ça, c'est pas possible quoi!
Et moi, il me fait rien, tranquillement, Wonderman, c'est marrant. tu vas pas regarder. Tranquillement en train de tracer mon chemin. Je regarde par hasard l'Enderman, il m'en veut, j'essaye de me défendre, mais non. Pas possible. Moi, je suis en train de miner, tranquillement. Oui, bon, bah, je m'en fous, mais moi, je suis mort. Tout Et en plus de ça, il y a un creeper. C'est l'épisode de la déprime. L'épisode fail, mesdames et messieurs. L'épisode où nous sommes morts de très très nombreuses fois. Et il y a encore un creeper qui a failli me tuer. Je sais pas si t'as entendu l'explosion de là où t'étais. Et il m'aurait tué, mais je crois que j'aurais été déprimé pendant une semaine. Cet épisode m'aura déprimé. Grave, déprimé de Minecraft, tu n'aurais plus jamais joué. Ah bon, par ici. Les amis, si je meurs, je rage quitte, littéralement. Bah non, c'est rigolo, on va mourir des dizaines de fois. Allez. Non. Non, non. J'ai glissé. Mais si je meurs, attention. Je vais tout faire péter. À la TNT. J'en suis capable. Attention. Alors. J'ai mon épée. Ah, ça y est, je te revois. J'ai tout. J'ai pas la carotte. J'ai pas la carotte. Mon dieu, Maxis. La carotte. Oh T'as récupéré la carotte. T'as récupéré la carotte. Dis-moi que t'as la carotte. Non, non. Attends. Dis-moi que t'as la carotte. Oh, merci. T'as la carotte. Oh. Y'a un. Bon, y'a une araignée là. Je vais m'occuper d'elle. Attends, on y va. T'inquiète. Oh, y'a encore un tunnel. J'en ai marre. Ma pioche, elle est là. De l'or, de l'or, de l'or. Bah, récupère-le. Mais oui, mais y a une bestiole. Il faut surveiller tous nos flancs. Pendant qu'il y en a un qui mine, il y en a un autre qui surveille. Faut pas plaisanter avec cette mine. Je commence à la connaître et je sais de quoi ils sont capables pour nous tuer. Ils sont prêts à utiliser toutes les perfidies, toutes sortes de ruses et d'embuscades pour nous avoir. Viens, viens. Encore un Enderman. Viens, s'il te plaît. Je reste là, hein. Je reste ici. Mais le regarde pas, c'est tout. Moi, je vais me faire tuer si tu viens pas m'aider. Attention, je vais libérer un monstre. Viens m'aider, Exeomia. T'es où? Ah, je me fais attaquer par un squelette. Où est-ce que t'es? Viens. Là-dedans. Y'a du pop, hein. Tiens. C'est bon. Oh. Ne t'inquiète pas, femme, je t'ai protégé. De l'or. Oui, c'est ce que je voulais faire. Aïe, mais il en a fini d'en avoir après moi, lui. Et moi, je suis cool avec lui et tout. Ah non. Il y en a d'autres là-bas. Vas-y, moi, je vais vérifier l'état des réserves. Et j'ai besoin de nourriture. Me dis pas que tu les ramènes avec toi. S'ils arrivent, je les tape. Ah, le v'là, l'Enderman. Du diamant! Quoi? Viens, il y a l'Enderman, mais il y a du diamant. L'Enderman, je défonce. T'en veux à toi, l'Enderman, hein. C'est une affaire personnelle. Mais t'es où? T'es parti de quel côté? Ici. Ah, t'es là. Attends, deux L'Enderman, secondes. L'Enderman, il t'en veut à toi. Il m'en veut pas, moi. Non. Heureusement, il était un peu con. Puis. Wouhou! C'est la fête! C'est la fête! Ce gnome prend la tête! Je crois que c'est le Minecraft le plus chiant de ta vie, je crois. Ce donjon est tellement dur que je crois que je vais manger ma manette. Je vais peut-être pas manger ma manette, je vais manger mon clavier ou ma souris, si ça continue. Alors les amis, si je trouve du diamant, je crois que j'en avais vu. Il est où? Il est là. Calmons-nous. Exomnia ne va pas se laisser faire. Il ne laissera pas de petits zombies lui voler son stuff. Lui en particulier. J'y crois pas. En un pain, je l'ai tué, quoi. Il lui restait plus rien en vie. Je suis désespéré. Enderman. Alors l'Enderman, si je le prends ici, je le tue vitesse grand V. Ah, j'ai le livre, j'ai le disque, j'ai la pioche, j'ai le seau. C'est le plus important. T'as la carotte? J'ai la carotte, mais je l'ai crevée. Si tu crèves, il faut que je récupère la carotte. Bon, on reste ensemble, on ne se sépare pas. On ne se sépare plus. Jamais.
Un squelette, un squelette, il est là, il est là, je l'ai vu. Ah. Meurs, meurs, meurs. Ah, de l'or. J'ai trouvé de l'or. Je l'ai récupéré. Ah. Je pense qu'on va bientôt arrêter, on remonte à la surface. Oui, c'est vrai, ça fait un épisode très long. Mais bon. Vas-y, allez. Au moins on aura bien pillé ce donjon. Vas-y, viens, on refait le même ce chemin. Ce bastion de monstre. Attends, je récupère un bloc de... Du coup, t'as récupéré le diamant? Non, il n'y en avait pas, je croyais, mais c'en était pas. C'était du lapis, tous les coups. Ouais. Un coffre. Fais gaffe, y'a l'Underman qui est derrière bon, moi. Pour finir l'épisode, je vais le tuer, celui-là, parce qu'il m'énerve. Je vais... Ouais, mais d'abord, on remonte à la surface. Je vais préparer mon piège. Affaires. Alors, Exomnia, je vais être très content, parce que j'ai... Tiens. Je dois avoir... Il est où? Ah, il m'attaque, moi. Non. Ah bon? Mais t'es où? Oh. Il a tué Le Creeper a tué l'Underman. Ah, ce monstre responsable de toute cette conspiration, chef de cette meute de bêtes sans pitié, est finalement mort par un de ses propres soldats. C'est tellement ironique. Bon, où est l'escalier? L'escalier. Je sais pas, moi je suis à la surface. On doit bien avoir au moins 2 stacks de fer. Hein. Ah, il est là, il est ici. Voilà. Oh, la surface! Enfin, on va retourner chez nous sans qu'on soit contraint par la mort. T'imagines? 2 stacks de. Deux stacks de fer presque complets. Oh, dis donc, toi t'as farmé, toi. Moi j'en ai que 6 de fer. Mais j'ai un livret enchantable. On a trouvé un mob spawner de squelettes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir farmer du squelette. Voilà, voilà, je pose tout ce que le j'ai. Chemin vers la sortie, c'est où? C'est là? C'est là? Oui, je crois que c'est là. Et poser la carotte dans le coffre, le plus important, les oh amis. Oui. Si la carotte est sauvée, dans ce cas, nous pouvons mourir en paix. Par contre, j'aimerais bien remonter de manière sécuritaire. Voilà. Donc cet épisode sera très long, mais... Bon, long, il fait une demi-heure, quoi, par là. Ouais, presque. Épisode spécial, mort. De très nombreuses morts. Non, mais c'est pas ça, mais ça nous dédommagera du temps qu'on met à refaire. On a récupéré 2 stacks de fer. Au final, l'objectif qu'on s'était fixé au début de l'épisode, donc récupérer du fer, bon, au final, on l'a réussi. Bien qu'on en ait chié à mort, on a réussi. Là, nous deux, on peut se faire un stuff bien en fer. Tu compteras combien de fois t'es mort, tu le mettras dans la description, puis moi aussi. Qu'on compare lequel d'entre nous est mort le plus de fois. Je parie que c'est un bon championnat. Bon, je te repose... Oh oui, safe le disque, safe le livre et le seau, le plus important. Et oui. Save le... la carotte. Oh oui, je peux mourir en paix. Prochain épisode, on fera des champs. Prochain épisode, faut s'occuper de la nourriture parce que là, on n'a rien à bouffer. Ça commence à devenir un problème très très problématique. Obligé de manger du zombie, c'est dégueulasse en plus. Voilà. Ah, on a une carotte en plus, on va pouvoir trouver du cochon. Ah oui, elle est levée. Ouais, c'est ça qui est génial. Nous nous occuperons de tout ça dans l'épisode numéro 4. Donc attends, avant de quitter comme ça, je finis juste la maison, comme ça, on a terminé la maison. Plus qu'une vitre, et c'est bon. Et c'est la première fois déjà que j'ai vu une caverne comme ça. Et c'est la première fois que j'y allais autant à récupérer mon stuff dans Minecraft. Je crois que ça mérite d'entrer dans les annales. On n'a pas du charbon. On n'a pas de charbon. Dedans. Ah, t'as tout pris, d'accord. Ouais. Je vais faire cuire du fer. Fais un deuxième four. Tiens, moi je vais le faire. Tiens, je vais en faire 2 supplémentaires. Allez, puis un 4e parce que c'est gratuit. Ah. Et un 5e parce que c'est pas cher. Voilà, exactement. Ah, le goût du luxe. Toc. Ah, voilà. Bon. Eh ben, mes amis, merci d'avoir visionné en entier cette vidéo. On en a pas mal chié, hein. Un moment, j'ai cru qu'on allait pas y arriver.
Ah bah c'est bon, niveau four, je pense qu'on est suffisamment assuré là. Non, mais là, c'était... Heureusement, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver avec ce donjon de l'enfer, mais heureusement, nous y sommes arrivés. Et nous avons. Donc, on n'a pas sauvé le stuff du début, mais on a récupéré pas mal de choses. Donc, on dit au revoir pour le prochain épisode, hein. Oui, donc à plus. Donc, au revoir, et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère qu'elles seront moins périlleuses. Faire des champs, j'imagine que c'est moins dangereux que d'aller explorer des donjons de l'enfer. Je pense. Donc, adieu! Et que le sort vous soit favorable.